La transformée de Kelvin d'une fonction U est donnée par la formule suivante, où le point x étoile est l'image de x par une inversion de sphère de rayon 1 centrée en l'origine. Et le point intéressant pour les équations elliptiques de cette transformée, c'est qu'elle se comporte bien par rapport au Laplacien. On a l'expression suivante pour le Laplacien de la transformée de Kelvin de la fonction U. Alors pour démontrer cette identité, on va d'abord remarquer qu'il suffit de la démontrer pour un polynôme et ensuite d'utiliser le théorème de Weierstrass et un argument de densité très simple pour montrer qu'elle est vraie pour toute fonction de classe C2 en dehors de l'origine. Et même par linéarité, il suffit de démontrer cette identité pour un polynôme homogène de degré n. Donc on supposera dorénavant que U est un polynôme homogène de degré petit m. Alors, on va peut-être commencer par calculer ce que vaut P au point x étoile. C'est donc P de x sur norme de x au carré. Et par homogénéité, ça vaut donc norme de x à la puissance moins 2m fois P au point x. Le Laplacien de P va être un polynôme homogène de degré m-2. Donc, par le même calcul, il vaudra x à la puissance moins 2 fois m-2 fois le Laplacien de P au point x. Je réécris encore x à la puissance moins 2m plus 4 Laplacien de P de x. Voilà. Alors maintenant, il nous reste à calculer le Laplacien de P étoile de x. Donc c'est égal par définition de la transformée de Kelvin au Laplacien de x à la puissance 2 moins m, 2 moins n, p de x étoile. Et p de x étoile, nous l'avons calculé, il vaut x à la puissance moins 2m fois p. Bien, alors cette dernière quantité, l'exposant là est un peu long, donc je vais lui donner un nom, je vais l'appeler x puissance alpha. Et on va développer cette quantité qui vaudra donc le Laplacien de x puissance alpha fois p, plus deux fois le gradient de x alpha scalaire le gradient de p, et puis enfin plus x alpha fois le Laplacien de p. Alors le premier terme, que vaut-il? Eh bien, il vaut simplement alpha facteur de alpha plus n moins 2 x à la puissance alpha moins 2 fois p. Le deuxième vaudra 2 alpha fois du norme de x à la puissance alpha moins 1, fois la dérivée de p dans la direction radiale, dp sur dr. Mais comme p est homogène, ça vaudra exactement m fois p sur norme de x. Et enfin, toujours, norme de x à la puissance alpha, Laplacien de p. Donc si on regarde de plus près les deux premiers termes, on voit qu'ils sont de même nature. Donc on va pouvoir factoriser alpha, x alpha moins 2 et p, qui va être facteur donc de alpha plus n moins 2 plus 2m. Et toujours plus x puissance alpha, Laplacien de p. Et vous voyez maintenant, si vous revenez à l'expression de alpha, qui est égale à 2 moins n moins 2m, que c'était fait pour que ce coefficient soit égal à 0. Donc le Laplacien de P étoile finalement vaut x puissance alpha, c'est-à-dire x puissance 2 moins n moins 2m fois le Laplacien de P au point x, ce qui se réécrit encore x à la puissance moins 2 moins n fois du x à la puissance 4 moins 2m, Laplacien P. Et cette dernière quantité, vous voyez un peu plus haut que c'était bien le Laplacien de P au point x étoile comme annoncé.